Ok, salut tout le monde. Ok. Alors aujourd'hui on va parler de... Ah ouais. Bonjour. Alors aujourd'hui on ne va pas parler de la météo. On va plutôt parler des... Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? L'autre jour j'étais en train de manger des céréales et j'ai réalisé quelque chose. J'ai réalisé que sur Terre, il y a les pires surnoms imaginables. Par exemple, j'ai remarqué qu'il y avait vraiment beaucoup de personnes qui avaient l'habitude d'insulter leurs amis quand ils veulent leur parler. On est tu me passerais-tu le beurre, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Je veux dire, moi, quand on parle comme ça, c'est comme ça que je réagis. Hé, mon c***** de ta tu me passerais-tu le beurre, s'il te plaît? Puis oui, j'ai tué 4 personnes. Mais dites-le pas à la police, s'il vous plaît. Quoi? Ensuite, j'ai remarqué un surnom vraiment nice que les filles se donnaient entre elles. Salut les bitches! Bon, alors, je sais pas c'est quoi le trip d'appeler son ami bitch, mais si quelqu'un le sait, s'il vous plaît, écrivez-le dans les commentaires du vidéo parce que j'aimerais ça comprendre. J'ai beaucoup trop de lumière sur ce côté-là de mon visage. Ouais, c'est mieux là. Les surnoms les plus bizarres que j'ai entendus de toute ma vie, c'est les surnoms de couple. Des fois, il y a des surnoms que j'entends puis que je fais genre... Par exemple, je sais pas si vous avez déjà entendu un gars dire à une fille « Salut ma puce ». Pensez-y là, une puce. Une puce. Est-ce que vous savez c'est quoi une puce? Ça, c'est une puce. Est-ce que ta blonde ressemble à ça? J'espère que non. Ou même le surnom « Choupinette ». C'est quoi une choupinette? Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi une choupinette? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Peu importe, on dit que l'amour rend aveugle. J'imagine que ça rend sourd aussi. Mais bon, hein, même si les surnoms c'est quelque chose que je comprends pas, que je trouve vraiment bizarre, j'avoue que quand quelqu'un prend le temps de faire un surnom à moi, ça me fait chaud au cœur. C'est pour ça que je peux dire vive les surnoms! Ah ah, tu pensais que c'était fini, pourtant je fais la blague à chaque semaine, fait que si t'as pas compris encore, c'est que t'es là. C'est le moment des choses inutiles. Donc, si vous avez aimé la vidéo, oubliez pas de le partager sur votre mur Facebook. Et si vous l'avez pas aimé, oubliez pas de le partager sur votre mur Facebook. Donc, dans tous les cas, vous le partagez sur votre mur Facebook. N'oubliez pas de laisser un commentaire sur la vidéo ou sur la page Facebook Tomly TV. Si vous avez d'autres idées de vlogs. Sinon, oubliez pas de liker la vidéo. Allez voir la vidéo de Tomly TV de la semaine. Je vous laisse sur cette magnifique peinture que mon frère a fait d'un fantôme triste. Il pleut avec des éclairs, puis une lune, puis du gazon vraiment intense. Bye bye mes puces. Fini? Oui. Pourquoi t'as pété l'armoire? Ça te filme encore.